me tell you a tale. It took place 360,000. No, 14,000 years ago. Well, to me it seems like only yesterday. To you, could be tomorrow. It's the story of a man known by 72 different names. What should I call him? When we first met, his name was Enoch. And even then, he wouldn't let anyone tell him what to do. Not even me. But he was a pretty good guy. Et salut à toutes et à tous, c'est Ocrad. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de notre nouveau Let's Play sur El Shaddai, Ascension of the Metatron. Ça, c'est cool. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, eh bien, ça va plutôt bien après avoir passé pas mal de temps à régler cette table de mixage, enfin, à tenter de la faire fonctionner correctement puisqu'elle est complètement déglinguée. Tout simplement, voilà, on va pouvoir commencer un épisode. J'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout de l'épisode. En tout cas, je croise les doigts très fort, les doigts de pied, tout ça. Ah, je croise tout. Ah, je croise tout. Ah, bah là, à ce moment-là, tu vois, quand ta table de mixage elle commence à lâcher comme ça, tu croises tout. Voilà, même les poils de cul, tu les croises si t'en as, tu vois. Donc, c'est pas évident. Donc, on va commencer ce jeu-là, quand même. Alors, il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment maintenant. C'est un jeu PS3 qui a pas du tout marché, hein, faut le dire. C'est un jeu qui a fait un bide total. Et comme j'aime bien donner la chance à des jeux qui ont fait des bides, puisque j'ai l'habitude de faire des bides aussi avec mes Let's Play, donc du coup, voilà, j'aime bien continuer sur ce truc-là. C'est un jeu qui est sorti le 8 septembre 2011. C'est un jeu d'action, aventure, plateforme un petit peu aussi. C'est du PEGI 12 et c'est un jeu entièrement en solo, voilà. Et c'est un jeu qui s'inspire du livre d'Enoch, voilà, hein, je sais pas si je le prononce bien, mais en gros, voilà, c'est en rapport avec la Bible, etc. Enfin, je pense, hein, je ne veux pas trop m'aventurer là-dessus puisque je ne m'y connais pas assez, mais je pense que c'est en rapport avec cela. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous en savez plus. En tout cas, moi, ça m'intéresse quand même un petit peu de savoir, voilà, sans trop pousser, mais juste savoir de quoi je parle quand même. Déjà, ça serait pas mal. Bon, on va faire ça. C'est parti. The armor okay. If not, I could... No problem. Everything's fine. Ok, ah donc on commence direct. Bon bah là j'ai des mouches. Alors ils t'apprennent pas vraiment à jouer, c'est un peu à toi de te débrouiller. Ah bah voilà. Ça commence bien, ah bah c'est bien. C'est bien, je me retrouve déjà en slip dès le début. Bon bah ça, c'est un jeu qui commence fortement bien. Allez viens. Ah oui quand même. C'est moi ou ça pique? Cet échec ne doit pas t'arrêter. Oui, enfin bon, vous m'avez pas vraiment laissé le temps de commencer, quoi. N'abandonnez jamais, même si l'épuisement vous accable, battez-vous jusqu'au bout. Oh yeah. Restauration. Si vous mourrez au combat, appuyez rapidement sur les touches de la manette L1, R1, et carré et croix. Allez. Ok. Allez dans bibliothèque pour consulter les messages reçus. Très bien. C'était fait exprès, en fait, non? J'en ai aucune idée. Ah si. Hmm.
Bon. Ah ouais, quand même. Ah bah là, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Là, je n'ai absolument rien compris de ce qui s'est passé. Ça commence bien, ce jeu. Il est bien. Ah bah maintenant, ça passe en anglais. Bon, tout va bien. Ah bah enfin, la vraie cinématique. You ready to leave? I gotta say, I'm kind of looking forward to this trip. Say, you've not been down below for some time, have you? You're in for a surprise. Enoch, you sure that's enough armor? I'll take the best you have. Right, time to go. Enoch. Chapitre 0, le voyage commence. Très bien. See those figures in the distance? Try and reach them. Ok, faut que j'essaye de les rejoindre. Ça va, ça devrait aller. Je pense que c'est dans mes capacités. Autant le combat, pas trop. Autant ça, je pense en être capable. Ah! Ça s'éloigne. On dirait un peu un code-barre, ça fait rigolo quand même. Youhou! Alors là, on peut sauter. Comme ça me permet de voir les commandes un petit peu. Bon, je vais vous laisser profiter un peu de l'ambiance quand même. Anyway, try jumping to those figures. Ok, vous allez voir que ce jeu est quand même vachement perché dans son design, en tout cas, dans sa manière d'aborder les choses, peut-être également. Vous allez voir que c'est assez bizarre. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais fait la démo. Et je m'étais dit, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est bizarre quand même, un petit peu. Et puis bon, voilà. Finalement, j'ai réussi à le choper pour pas cher du tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Il y a peut-être un an à tout casser. Et j'ai pas eu le temps de le faire depuis. Je me suis toujours dit que je le ferai en let's play. Bah voilà, maintenant c'est les choses faites. Fruits de la sagesse. Dieu créa les fruits de la sagesse. Ils peuvent être utiles aux hommes ou servir pour le mal. Tout dépend de la façon dont ils sont utilisés. Ne laisse personne en approcher lors du combat. Ok. Ok, can you take it from here? Bon, à chaque fois que je passe en mode cinématique, ça n'en est plus une. Alors, bouger, attaquer, bloquer R1, d'accord, ok. Donc attaquer carré, bloquer R1. Là je bloque, ok. Oh ouais, ok. Ah, je mets des patates direct. Bim. Dégage. Ouais, mais bon, j'y arriverai jamais, quoi. If you're that good with your bare hands, let's see how you handle one of God's weapons. An arch. It's one of those little shards of wisdom the fallen angel stole. Now try it, Enoch. Ok, bon. Alors ça a l'air rigolo comme arme, on va y aller. Ok. Dégage, vilain pas beau.
Non, touche pas les pommes, enfin les fruits. Ouais, ok. It was only when various shards of God's wisdom were stolen that Semyaza's betrayal was uncovered. But by then, he, together with the Grigori he led, had already fled. Nicely done, Enoch. Ah, the archangels are here. As Lucifer has shown. We, the archangels, shall guide you with our voices. Enoch, you must return the fallen angels to heaven. That is your mission. Don't worry. We'll be with you all the way. Careful now, we're crossing over. Once we breach the veil, we'll be on Earth. Bring back any memories, Enoch? Seven angels have fallen to Earth. Big mistake. We're going to tear out their souls and lock them in this prison for eternity. Ok, bon bah voilà, au moins on a le pitch de l'histoire, voilà, on sait comment ça va se passer à peu près, quoi. Moi je vois déjà un peu le délire. Donc il y a sept anges déchus et on doit les ramener en haut, quoi, en gros, hein, pour résumer rapidement. Alors, l'anneau de Michael, ces chaînes retiendront les anges déchus dans leur prison. Jamais encore elles n'ont servi, alors serrez-les bien. Est-il possible de les laisser ouverts pour eux? N'hésitez pas à les bousculer un peu. Ok. Youhou! Ah ouais, on peut attaquer comme ça en l'air. Ah, ça c'est bien ça. Bon, ouais, ça me plaît bien. Ok, go. Je sais pas trop où je dois aller, mais ouais, ok. Ok. On choisit le truc et on y va, quoi. C'est Miyaza. Ah ouais, d'accord, on choisit l'ange et puis on y va, quoi. Ok, ça c'est cool. Ça me plaît bien. Ah non, on doit... Ah ouais, ok, bon, c'est pas du tout ça. On va juste apprendre le nom des anges. Barakel. Ok. Arakiel. Ensuite. Sariel. Ça risque d'être intéressant, hein, s'ils ont tous leur petite personnalité et tout ça dans le jeu, ça peut être pas mal. On va voir. Ezekiel. He talks of love, but doesn't know the meaning. Ok, moi ça me va, je suis chaud. Et donc. Ah ok, après faut peut-être que je tape.
Waouh, je sais pas ce que je viens de faire, mais c'était pas mal. Et donc, un sweat. Ah bah j'en ai. Ah, il y en a encore un, j'avais pas vu. Autant pour moi. Azazel. Ok. Oula. Ah, c'est déjà eux. Ah non, Nocto. Qu'est-ce que c'est que ces machins? C'est bizarre comme truc ça. Oh. Ah. Flamme du pouvoir augmente les capacités latentes d'Enoch. Ok. Comme le roi Enoch. Oh. Dégagez. Bim. Ah, ça va, le système de combat est pas trop trop mauvais. Ça va être pas trop désagréable à faire, c'est cool. Ok, die. Oh, ils viennent. Boum. Allez. Allez là, on n'en parle plus là. Allez le vilain. Casse-toi de là. Allez. Allez le paresseux. Bim bim. Je sais pas, je trouve que ça a une forme de paresseux ce machin. Oh là, encore un. Un paresseux bleu. Oh, il m'a touché. Il a osé. T'as touché le roi Enoch, mec. Tintin. Waouh. En tout cas, graphiquement, c'est pas mal. Hein. Je rappelle qu'on est sur PS3, alors même si techniquement, c'est pas ouf. Mais artistiquement, il y a un petit quelque chose qui se dégage. C'est très spécial, mais il y a un petit truc qui se dégage. Moi, j'aime bien, en tout cas. Oh, la musique, je vous laisse profiter. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je trouve que ça commence plutôt bien, cette petite aventure. Alors. Ça, c'est des vilains ou pas? Ouais. Ok. Nickel. Bim. Très spécial, hein, comme je vous disais. Hein. C'est très, très perché, graphiquement. Artistiquement, hein, c'est perché de ouf. Mais c'est... C'est joli. Alors, rampe. Dégage. Oula, oula, ouais. Tu tapes pas, toi, hein? Mais dis donc. Ouais, oh. Ça va aller, ouais. Alors, ça, on casse, direct. Je sais pas ce que c'est, mais je le casse. Il y a des bouboules jaunes dedans, donc moi, je casse tout de suite, quoi. Même pas chercher à comprendre. Ok. Des lémuriens. Des lémuriens. Des paresseux. Ça, c'est cool. Bon, ça, on le casse. Il y a des bouboules. Les bouboules. Oh. Ok. Là, j'ai eu une méga bouboule. J'aime bien... j'aime beaucoup, en tout cas, pour le moment. Artistiquement, ce qui s'en dégage, c'est joli. Après, à voir si le jeu va me plaire jusqu'au bout, mais pour le moment, la musique est sympa.
On est sur quelque chose de plutôt correct pour le moment. Alors c'est un jeu qui s'est pris des notes un petit peu catastrophiques. Hein. Enfin, sur le petit où il a été testé, parce que comme il a fait un méga bid, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs... d'éditeurs. Enfin oui, d'éditeurs de suite de jeux, on peut le dire. Qui se sont vraiment cassé la tête à le tester. Correctement, disons. Après, c'est un jeu qui doit être moyen sur plein d'aspects. Hein, mais est-ce que ça vaut le coup pour le tout de le bouder? Je ne pense pas. Hein. Moi, j'aime bien tester des jeux. Puis rien que pour la patte artistique, peut-être qu'il vaut quand même un petit peu son pesant de cacahuètes. Hein. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des trucs comme ça. Aussi perchés. Bing, bing, bing. Oh, qu'est-ce que tu me fais, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Purification. Lorsque vous purifiez un ennemi, son ignominie s'accumule sur votre arme. Il est possible de vous en débarrasser en purifiant votre arme à son tour. Courage, Enoch. Si quelqu'un en est capable, c'est vous, l'élu de Dieu. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, j'ai de la saloperie sur mon arme. On va purifier tout ça, hein. C'est plutôt classe. Ah ouais, quand même. Le mec, il déconne pas. Quand il purifie, quoi. Oh! Bravo. C'est méga classe. It cleanses all things vile. Purify the red light. Bon, par contre, va falloir arrêter de me lancer des cinématiques pour que je mette en mode cinématique, puis après, on me la supprime, quoi. Parce que là... Ah. Lorsque votre arme est équipée, déplacez-vous de sorte à améliorer encore son efficacité. À main nue, tournez-vous sur vous-même pour éviter les coups. Oh, ok. Ah. Ok. Bon. Bon, j'ai pas tout compris, mais on va dire que oui. Est-ce qu'on tape là-dedans? Non. Ben non, évidemment. On coupe les doigts. Et je coupe les doigts. Alors, attaque spéciaux. Ouais. On va dire ouais. Cette attaque fait plus de dégâts que vos autres coups. Mêlez-la, à vos autres prises pour de meilleurs résultats. Ok. Ah oui, quand même. Ouais, ça déconne pas. Ça déconne zéro, ça. Hop. Bim, 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 bim. Wouhou. Pouah. Ça fait mal, ça, hein. Ah les mecs, là on déconne plus, on a plus le temps de niaiser. Ça on coupe. Très très bien. Attends, y a un truc là. Ah non. J'ai cru. Ah, va peut-être avoir un dialogue. Hey, what's the matter? You don't trust me? I guess. Well, I'd say so far so good. Huh? You know I could never say no to you. After all, you are the Lord. Yeah. All right. Catch you later. Ok. Sauvegarde avec Lucifel. Tu vois ce que je veux dire? Lucifel, Lucifer, voilà. Si tu dois enregistrer ta progression, je suis à ta disposition. Appelle-moi si tu m'aperçois. Un scribe du paradis rédigera tout ça. Bon, on va sauvegarder. Hein. Je pense que ça peut être bien. Ça peut être une bonne idée. J'ai toujours l'impression que je vais entendre la suite d'une musique connue. Vous savez, ça fait... Lucifer.
Ok. Ok, ouais, on en parlera, Jean-Michel. Ok, ça marche. Oh, il y a deux chemins. Ah, je trouve ça artistiquement méga joli, quoi. J'adore. Hein. Bion, bion. Oh non, je peux plus revenir. Je suis un méga boulet de ouf. What? Quoi? Ah oui, c'est vrai, il y a le double saut. Méga boulet jusqu'au bout. Ouch, itch, ouch, ouch, ouch. Alors là, ça passe un peu en noir et blanc, sauf moi, donc je suppose qu'il va y avoir un gros pas beau monstre. Mais où? J'en sais rien. Voilà, on casse tout. On casse tout. Ah, cinématique. Enoch, what brings you? So, heaven is in an unforgiving mood. No matter. We are already in a better position than we ever were. Ok, bon, pas très gentil, monsieur. Charming. He's either very confident. Or very stupid. Ok, le dialogue qui se déclenche une plombe après. Bon, allez, on va aller chercher Pépère. Je sais pas qui c'est lui, mais pas l'air très sympa. Alors là, il y a plein de bouboules. Mais d'abord, je vais casser ça pour en récupérer d'autres. Je sais pas encore à quoi elles servent exactement, mais... on verra bien. On verra bien ensemble. Alors... maniement de l'arc... l'arc... enfin, l'arche, plutôt. Est une arme... est l'arme, pardon, qui vous rend le plus mobile. Ah bon? Vous permettant de rester longtemps en l'air, utilisez-le dans les endroits où vous aurez du mal à atterrir. Ok, donc si je maintiens ça en l'air, je plane un peu. Ah ok. Oh c'est cool ça. Ah bah... oh c'est cool hein. Eh on a du mal à voir où on va. Waouh, les phases de plateforme... Oh ça va être chaud pour moi là. On voit pas vraiment l'ombre et tout. Lumière bienfaisante. Ok. Hop. Ah bah voilà. Vous voyez, je vois pas du tout. Je me voyais pas passer à côté là par exemple. Oh là là. Oh là 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 là. Oh ça sent la cata ça. Bon déjà, premier point noir là. Ah ça j'ai horreur des jeux qui sont super approximatifs dans les sauts. J'aime pas ça, mais alors du tout.
C'est pas grave, ça va aller, on va s'en sortir. J'espère qu'il n'y en a pas trop de faces comme ça. Ouf. Lodinge, on fait un gros lodinge. I'm sure you'll find him quickly, Enoch. Recognize me, Enoch? I brought this body to deliver a message. We are at your side, always. There's just something, something about you. I hope you find who you're looking for. No need to rush. There's plenty of time. In fact, all the time in the world. Look for the tower. The fallen angels must be there. Enoch, Azazel is after you. Il faut savoir, c'est que là, le petit bonhomme que vous voyez avancer, bah c'est moi qui joue en fait. Ça m'a surpris, mais ouais, je me rappelais plus de ça, mais c'est vrai qu'il y avait ça dans la démo. Enfin, dans mes souvenirs, il y avait ça, oui. C'est vrai que là, sur le coup, quand j'ai lancé le jeu, je pensais plus à cette feature-là, mais c'est vrai que c'était sur ce jeu-là. C'est plutôt cool. Au moins, ça te passe le temps quand t'es dans une cinématique. Enfin, quand t'es dans un truc comme ça. Un chargement, on va dire. Ça, c'est bien. Très bonne chose. Donc là, je poutre des petits bobos. Hop là. Bien. Allez, je remets en mode cinématique, hein. Je me tais. How is it you do not age? Eternal life is just a myth. Show Evad the meaning of mortality. You have been granted the gift of immortality. Your quest will continue until you find the fallen ones. Huh? Me? I'm not going anywhere. Midrash, Raphael has a gift for you. These lakes appeared a century ago. Aha. So this is where they fell. I bet they're still close by. I come from the tower. You don't know when to quit. So, you chose to ignore my warning. Ok, bon, bah c'était pas mal. Ah oui, c'est celui de tout à l'heure, ça, dis donc. Ouais, avec ses moumouches, là. Wow. Wow, ok. Ah ouais, d'accord, Pépère, il tape, là. Ok.
Ok, je me fais défoncer. Mais what? Mais je peux pas esquiver en fait. C'est chaud. Ok, ça c'est bon. Bon, je suis un peu torse-poil, mais c'est bon. This is the last time you will see me. Do not make the wrong choice again. Ok. Bon bah allez, go. Par contre, je suis torse-poil. Je suis pas revenu en... Ok. J'ai plus d'armes non plus. Observation enregistrée par les Freemen. Nomade éternel et immortel, il est un homme sage et prudent, un puissant guerrier. Pour ces raisons, il est haï et doit sans cesse changer de nom. Il pourrait bien être le messager divin qui ressuscitera Ishtar. Ok. Ok, monsieur. Ok, le mec. Allez. Est-ce qu'il y a moyen que je récupère des trucs? Ah ouais, je récupère mon armure. Ça, c'est cool. Je vois le délire. Oh, un martyr. Martyr McFly. Oh, celle-là, elle vient de loin. Ok. Dégage. Vol d'armes. Voler les armes de vos ennemis, purifiez-les. Purifiez-les. Purili. Ouais, bien sûr. Purifiez-les et utilisez-les à votre compte. Le meilleur moment pour frapper l'ennemi lorsqu'il est inconscient. Attends. Ok. Face à des ennemis inconscients. Ok. Je crois qu'il manque un bout de phrase, mais c'est pas grave. Oh, c'est méga classe, ça, par contre. Un petit coup de purif, et on est bon. Salut, copain! Allez, en slip, dégage. On va récupérer de l'armure. Maintenant, je sais à quoi servent les bouboules. Les bouboules. Les bouboules jaunes. Bon, dès qu'on trouve un point de sauvegarde, on s'arrête quand même, parce qu'on est déjà à presque 40 minutes d'épisode. Ah bah voilà, ça a sauvegardé. On va aller au bout du couloir. La vérité est au bout du couloir. That abomination is the tower in which the fallen ones hide. Et on va se quitter ici, comme ça je vais pouvoir enregistrer un deuxième épisode. Ouais, ça me semble pas mal ça. Eh bien écoutez les amis, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça permettra à la chaîne de se développer un petit peu, surtout la chaîne secondaire qui en a bien besoin. Je vous dis donc à bientôt, ciao, c'était Ocrade. Et comme d'habitude, eh bien, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao les amis, et à la prochaine.